Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous profitez vraiment de votre week-end et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une guidance avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. C'est un jeu que je viens d'avoir tout simplement, qui est tout neuf, tout beau et qui m'a attirée tout simplement parce que vous savez à tel point j'adore les archanges et leurs énergies. Et je trouvais que c'était intéressant du coup d'avoir un jeu dédié à leur sujet. Donc si je... du coup on commence tout simplement à faire la séance de guidance. Si vous le souhaitez, si vous n'avez pas encore choisi votre carte, je vais vous mettre à l'écran tout de suite du coup les trois cartes. Donc je vous demande tout simplement de lâcher prise, d'inspirer, d'expirer. Et de faire le vide en vous et de vous laisser guider par la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Donc si maintenant vous êtes prêts, nous allons passer tout de suite au résultat de votre guidance. Si vous avez choisi la carte numéro 1, il s'agit de la carte douceur. Vous avez tiré le message de l'archange Sandalphon qui vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Clairement, cette semaine, vous aurez besoin de tendresse, de douceur. Vous aurez besoin tout simplement, vous aurez envie tout simplement d'éviter un maximum les conflits. Vous vous sentez fragile, plein d'émotions. C'est normal. Je pense qu'il est temps pour vous peut-être de vous réfugier de toute cette ambiance en fait négative qui vous pompe l'énergie et je pense que vous êtes arrivé à saturation comme on dit et qu'il faut que vous retrouviez une forme de refuge et pour le moment, remettez, si vous avez des décisions à prendre, remettez-les à plus tard. Ne vous engagez dans aucune forme de décision. Vous n'êtes vraiment pas apte à les prendre. Vous avez besoin de gens positifs, de douceur. Peut-être de faire une petite retraite ou une petite marche. Quelque chose vraiment qui vous éloigne de cette ambiance qui vous pompe toute votre énergie. Et peut-être essayer aussi de vous entourer, de réaménager votre lieu d'habitation en y ajoutant des plantes, en mettant peut-être aussi un petit peu de musique. La musique va vous permettre de vous détendre également et de vous plonger dans une forme de sérénité. Essayez aussi également peut-être l'utilisation des bols tibétains, enfin tout ce qui vous insuffle vraiment une forme de quiétude. Essayez peut-être de faire du yoga ou tout sport qui va vraiment vous permettre de retrouver la paix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'archange Sandalphon, c'est vraiment un archange merveilleux avec une énergie d'un ton, on va dire qu'il a l'aura d'un ton turquoise, calme et frais. Et sa pierre, c'est la turquoise. Vous pouvez peut-être vous en acheter une, peut-être cette semaine, vous achetez une turquoise et pensez à lui tout simplement. Pensez à ce qui vous apporte de la paix et de la sérénité. Voilà pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc cette semaine. Retirez-vous et soyez doux envers vous-même. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, il s'agit de l'expression écrite. Alors, vous avez choisi du coup l'archange Gabriel. Voici son message. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc, clairement, le message est clair cette semaine. Il est peut-être temps pour vous de songer à peut-être à mettre au clair certaines idées sur du papier. Peut-être que pour vous, il est peut-être temps de vous lancer dans l'écriture d'un livre. Alors ça peut paraître tout simplement dingue comme ça de vous dire oui, je vais écrire un livre. Mais je pense que si vous avez choisi cette carte, il n'y a pas de hasard. Vous avez un lien avec l'écriture qui est très fort.
Alors peut-être que ce ne sera pas forcément un livre tout de suite, mais peut-être un article tout simplement, peut-être un blog. Il y a quelque chose qui vous appelle vers l'écriture. Peut-être aussi le fait d'écrire ses rêves, d'avoir un journal de rêves. Essayez vraiment de prendre conscience qu'à travers l'écriture, vous recevez des messages divins, vous recevez vraiment, vous canalisez des messages. Et votre âme, elle a vraiment envie d'écrire. Et l'archange Gabriel peut vraiment vous aider dans cet exercice. Et essayez de voir cet exercice d'expression écrite comme un exercice de purification. Alors ça peut être le fait aussi d'écrire ses blessures, d'écrire quelque chose qui nous tient à cœur, quelqu'un à qui on veut pardonner, qui n'est peut-être plus là. Essayez vraiment de faire ce processus et de faire appel en même temps à l'archange Gabriel quand vous faites cet exercice d'écriture et vous allez vraiment vous sentir inspiré. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, l'archange Gabriel, c'est le messager en fait des anges et il vous aide, il est spécialisé dans l'aide aux auteurs, aux journalistes et il apporte vraiment des messages de guérison. Donc à travers ce que vous allez écrire, sachez que vous allez guérir en même temps. Donc vraiment, essayez peut-être de vous aventurer sur ce terrain-là cette semaine et vous allez découvrir vraiment la magie de l'écriture. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, il s'agit de la carte clairsensibilité avec l'archange Raguel. Donc le message c'est soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Donc clairement, on est en train de vous dire cette semaine que vous allez ressentir des choses, vous allez capter des émotions, capter des sensations qui sont directement liées à des instructions divines, à des messages divins. Donc il est vraiment important pour vous de capter ces messages et peut-être de vous rendre compte que vous êtes doué pour ça, que vous êtes doué pour recevoir ces messages. Et surtout, on vous explique qu'il est important de respecter vos émotions. Donc quand vous recevez quelque chose, quand vous recevez un message, prenez conscience que ce message, il est pour vous et qu'il n'est pas lié à votre imagination. N'ayez pas peur aussi des émotions que vous pouvez ressentir. Si vous ressentez énormément de tristesse, n'ayez pas peur de cette tristesse. Enfin, mettez en lumière cette tristesse. Je ne vous dis pas de vous laisser envahir par la tristesse, mais de la laisser rentrer en vous et de la transmuter. C'est important de ne pas bloquer les émotions que vous pouvez ressentir, car vous avez peut-être tendance à ne pas les libérer. Et c'est important justement cette semaine de prendre conscience de ces émotions, de prendre conscience de ce qui ne va pas pour laisser les choses se libérer d'elles-mêmes et libérer les énergies. Dans tous les cas, on vous explique aussi qu'à travers cette carte, vous allez être attiré par des personnes, des gens, des situations, des endroits, des énergies où il y a quelque chose de beau, de divin. Donc allez-y si vous devez changer d'endroit, changer de chemin pour aller au travail, changer de chemin si vous devez prendre, au lieu d'aller acheter votre baguette de pain dans la même boulangerie, bah changez. Laissez-vous guider par vos intuitions tout simplement parce qu'elles sont divines et que même si elles ne sont pas d'ordre raisonnable entre guillemets, sachez qu'elles ont un sens et que si vous devez vous trouver à tel ou tel endroit, c'est qu'il y a une raison et que vous devez y faire quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on va mentaliser, mais c'est quelque chose où il faut que vous y allez tout simplement parce qu'il faut y aller. Alors peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose de mon niveau des rencontres, etc. Mais c'est simplement de manière énergétique. Dans tous les cas, donc l'archange Raguel, c'est un archange qui supervise les archanges et les anges. C'est un peu comme un contrôleur aérien qui assure l'harmonie, la coopération, pardon, et l'ordre parmi eux. De la même manière, il vous aide tout simplement à démêler vos émotions et à trouver, à comprendre et à identifier le pourquoi du comment. Donc vraiment, cet archange est un guide
parmi les guides. Et voilà, donc si vous l'avez parmi vous cette semaine, sachez que vous allez recevoir beaucoup de signes. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura permis tout simplement d'avoir un éclaircissement sur votre semaine. Sachez que vous êtes bénis dans tous les cas et que vous êtes de divins créateurs. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt, gros bisous.